Salut, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Irritor, votre humble serviteur, celui-là même qui crée de la haine gratuite sur certains Chinois. Je vous ai dit que j'allais m'entretenir avec vous sur 16 heures et c'est la vidéo en question. J'espère que vous êtes bien assis et j'espère que vous êtes prêts à commenter parce que je vais essayer de recadrer certains d'entre vous. Voilà, donc je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas être trop long dans mon intro. Je vais juste vous demander de vous abonner. Mais en tout cas, si tu es un Chinois, que tu n'aimes pas entendre la vérité, je te déconseille de t'abonner parce que tu vas beaucoup te fâcher au regard de mes vidéos. Donc on se prend après le générique, les amis. À tout à l'heure. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je procède, à des virements. Voilà, bon retour, les amis. Bon retour, chers Chinois. Bon retour, chers abonnés. Bien avant de m'entretenir avec mes frères les Chinois, je vais d'abord m'adresser aux fans des Débordos Likoufa. Bon, fans des Débordos Likoufa, en tout cas, le concert se prépare très bien. Voilà, beaucoup d'entre nous, toute la Côte d'Ivoire, va voir le résultat du travail abattu ce 20 décembre du côté du Palais de la Culture. Tous ceux qui désirent le fiasco, le poteau de ce concert-là, auront aussi le privilège de voir le résultat. Mais en même temps, il nous reste encore quelques jours. Voilà, faites comme vos amis qui chaque jour se déplacent, qui chaque jour appellent certains numéros pour se procurer les tickets du Conseil de Bordeaux Likoufa. Vous savez, ça sera une très belle fête, une fête mémorable qui va même rester dans la bouche des Chinois les plus radicaux. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc, n'admettez pas et n'acceptez jamais que votre artiste, de Bordeaux Likoufa prenne la honte. N'acceptez jamais cela. Quel que soit votre rang social, que tu sois pauvre, riche, ou bien de la basse classe, ou bien en tout cas tu es au milieu, il faut te débrouiller et acheter les tickets de ton artiste des Bordeaux Likoufa. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu la sorcellerie qui se déroule autour de ce concert-là à cause d'un seul concert. Mais je sais qu'il se fatigue parce que je peux compter sur vous. Moi j'ai une pleine confiance en vous. Voilà. C'est vrai que vous aussi souvent vous êtes un peu bavard sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes plus concret, voilà, vous êtes plus concret. Et puis, je pense, à mon humble avis, que vous allez acheter vos tickets. Et beaucoup déjà d'entre vous ont déjà acheté les tickets. Mais les retardataires, si tu dis vraiment fan des Débordos Likoufa, il faut sortir, acheter ton ticket. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens ont mal que je suis en train de faire la promotion de ce concert-là. C'est ça le vrai problème. Mais je vais aborder ça tout à l'heure quand je vais m'adresser à ce groupe de Chinois-là. Donc, famille, si tu te dis vrai fan des Débordos, normalement, ce 20 décembre, si tu es à Abidjan, si tu es dans les environs d'Abidjan, tu ne dois pas rester chez toi à la maison. Normalement, on doit te voir au Palais de la Culture avant 16 heures. Parce que le Palais de la Culture ouvre ses portes à partir de 9 heures. C'est l'artiste de Bordeaux même qui l'a dit. Donc, je compte vraiment, vraiment sur vous. Voilà, j'espère que le message est passé. Et rendez-vous au Palais de la Culture avec toute cette pléiade d'artistes-là et de grandes stars qui viendront soutenir les 15 ans de carrière des Débordos Likoufa. Je pense que je peux maintenant parler aux Chinois. On se prend tout à l'heure. Avant tout propos, j'aimerais signifier ceci. Vous savez, quand je fais des vidéos de ras-le-bol envers les Chinois, sachez intelligemment déjà et consciemment que je ne m'adresse pas à tous les fans de DJ Arafat. Il faut vraiment, vraiment le signifier. Parce que je ne suis pas de cette éducation, parce que je suis fâché, je vais blâmer tout le monde. Je sais ce que je blâme et ils se reconnaissent. C'est pourquoi ils sont toujours en commentaire, malgré les plaintes. Ce message-là n'est pas adressé à tous les Chinois de DJ Arafat, mais à certains Chinois qui n'ont peut-être pas de cervelle pour réfléchir un peu, ou bien de voir un peu plus loin que le bout de leur nez. C'est à eux que je m'adresse. Voilà, je pense que je peux commencer. Vous voyez, je lis vos commentaires, hein. Je lis souvent vos réactions, souvent on m'emmène certaines vidéos de vos vidéos monde, parce que moi je ne les appelle pas des youtubeurs. Souvent il y a de la vérité dedans et souvent il y a beaucoup d'animosité dedans, c'est ce qui est triste, voilà, c'est ce qui est triste. Et moi personnellement ça ne m'affecte pas, ça me fait rigoler. Mais il est bien aussi de clarifier certaines choses, certains points. Premier point, c'est pas Débordos Likoufa qui a tué DJ Arafat. Deuxième point, ce ne sont pas les fans de Débordos Likoufa qui ont tué DJ Arafat. Troisième point,
Pour moi, à mon humble avis, les seuls vrais responsables de la disparition de Didier Arafat, bien que cela soit un accident, sont ces fans radicaux-là. Vous à qui je m'adresse actuellement. Je ne vais jamais cesser de vous le dire. C'est ce qui vous fait mal. Mais c'est la vérité. C'est parce que c'est la vérité. Quand vous dormez, que ça vous fait mal. Et vous vous manifestez toujours en commentaire. Vous comprenez un peu? Donc, laissez les gens respirer un peu. Vous me dites qu'à cause d'un seul conseil, vous ne pouvez pas respirer. Mais à cause d'un seul conseil, vous vous retrouvez toujours sous mes vidéos à commenter. Moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je ne regarde pas, je ne commente pas, je ne parle pas, je ne partage pas, je ne like rien, je ne fais rien. J'ignore tout simplement. Plusieurs fois, j'ai multiplié des vidéos ici, pendant que je soutenais ou je disais souvent la vérité à notre regretté Didier Arafat, que ceux qui ne sont pas d'accord avec ma philosophie, avec ma manière de voir les choses, peuvent gentiment se désabonner de ma chaîne et passer à autre chose. Si vous êtes là, c'est parce que quelque part, vous savez que j'ai fait aussi un peu pour notre regretté Didier Arafat. Didier Arafat est parti, nous en sommes tous tristes jusqu'à actuellement. On a tous aimé Didier Arafat. Mais comme dans votre clan, dans votre groupe de Chinois, il y a un, je sais pas, je dirais un nombre restreint de Chinois qui ont tellement encouragé l'artiste dans certaines bêtises et qui n'ont même pas le culot et le courage de l'accepter et de l'assumer aujourd'hui. Et qu'on sortait par moments pour recadrer l'artiste ou lui donner certains conseils. Voilà ce qui vous fait mal. Sinon, au fond, on n'a jamais rien fait de mal à Didier Arafat. Moi, personnellement, non. Et ce qui me fait rigoler, c'est que souvent, il me revient en commentaire ses propos. Est-ce que c'est forcé d'aimer Debordoly Koufa? Est-ce que c'est forcé d'aimer ton artiste? Mais je dis, moi, détrompez-vous. Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais je ne fais pas des vidéos pour que vous aimiez Debordoly Koufa. Je fais des vidéos pour changer votre mentalité caduque là, qui n'essaie pas de se développer depuis tout ce temps, même après la mort de votre artiste. C'est pour ça que je fais des vidéos. Debordo, il a ses fans. Il a beaucoup de monde derrière lui. Et vous allez le voir ce 20 décembre là. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Debordo à travers le monde. Peut-être c'est lui-même qui ne se connaît pas. Comme votre artiste Ferrité Didier Arafat. C'est lui-même qui ne se connaît pas. Sinon, Debordo a beaucoup de monde derrière lui. Donc, il n'a pas besoin de vous. Moi, c'est juste pour bien faire les choses. C'est juste pour vous dire que oui, c'est vrai. Votre préféré fut Didier Arafat, paix à son âme. Mais ça ne vous donne pas le droit, au regard de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux qui ne sont même pas, qui ne reflètent même pas forcément la réalité, que vous allez détester impunément un autre artiste. Voilà ce que je dis. Vous, donc, attends, donc si je comprends bien, vous pensez que moi je fais des vidéos pour que vous aimez Didier Debordo, Debordo Likoufa? Non mais c'est faux. Détrompez-vous. On me dit, Eritor, à cause d'un seul conseil, tu emmerdes le monde. Bien au contraire, c'est vous qui m'emmerdez. Parce que moi, en tant que fan de Debordo le Koufa, je trouve ça normal que je fasse des vidéos pour motiver mes amis qui sont fans de Debordo à se déplacer massivement au concert de Debordo. Donc, quand parmi vous, il y a beaucoup de mal élevés qui viennent faire des commentaires ou dire des mauvaises choses en commentaire, que je réagis, c'est ça qui vous fait mal. Sinon, je ne vous emmerde pas. C'est vous qui m'emmerdez tout le temps. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, vous passez votre temps à m'emmerder. Mais quand il s'agit de venir faire les éloges, la promotion ou un bon décryptage positif des morceaux de Didier Arafat, vous m'applaudissez. Vous me remerciez. Les vidéos sont là, les commentaires sont là. Les vrais hypocrites, je vous ai déjà dit que c'est vous, ces fans radicaux là. Vous, ces faux chinois là. En fait, je suis tellement dur et vrai dans mes propos. C'est ça qui vous choque. Mais je ne vais pas changer. Parce que vous-même, au fond, vous n'êtes pas gentil. Vous-même, au fond, vous n'êtes pas bien. Pendant que l'artiste rentrait dans le mur, nous on sortait pour dire que Didier Arafat, c'est vrai. Peut-être que tu n'es pas notre préféré, hein, mais tu fais trop pour le mouvement coupé décalé. Tu es trop indice pour le mouvement coupé décalé. Tu es trop talentueux. Tu as trop de charisme. Tu es trop populaire. Tu es trop célèbre. Tu es trop pour aller dans cette bêtise-là. Comme on avait le culot de lui dire, c'est ce que vous prenez ça comme des boycotts. Moi, j'ai jamais boycotté Didier Arafat. Ce péché-là, vous allez l'assumer seul. Ne mélangez pas les gens dedans. Voilà. Parce qu'au fond, vous emmerdez la toile. C'est en Côte d'Ivoire ici, un groupe de fans devient star. Un groupe de fans se prend pour le centre du monde. Petite parenthèse, aujourd'hui j'ai lu un post sur Observateur, là, le groupe Observatoire, je ne sais pas, là, ODCI, là, de Côte d'Ivoire, là. Un individu lambda qui se fait passer pour un fan de Didier Arafat, qui a adressé un message à Didier Miss comme quoi. Il trouve que Didier Miss n'est pas clair parce que jusque-là, il n'a pas fait de vidéo ni de poste pour inviter la Chine. Comme si sans la Chine, le mec, il ne peut pas réussir son concert. C'est quoi cette mentalité-là? On a besoin d'être invité pour aller soutenir Didier Miss. Ça prouve combien de fois vous êtes faux. Ça prouve combien de fois toi-même tu n'es pas correct avec toi-même.
Quand tu reconnais que l'artiste DJ Mix a été auprès de ton artiste avant qu'il ne disparaisse, avant qu'il ne parte, tu n'as pas besoin qu'il vienne te parler encore pour aller le soutenir à son concert. Parce que sans vous, ou bien sans toi, le chinois, si, DJ Mix ne va pas réussir son concert. C'est quoi cette mentalité-là même? Et c'est ces vérités-là qu'on essaie de vous dire. Et vous, ça vous fait mal, ça vous choque. Arrêtez d'être hypocrite. Parce que votre hypocrisie ne dit pas son nom, en fait. Vous êtes trop hypocrite, honnêtement. À la limite, méchant. Je prends même le cas de mon direct d'hier. En fait, vous n'aimez pas la vérité. Et puis, ça se sent toujours au travers des commentaires sous mes vidéos. Ivan Trésor, qui est un artiste que moi, je respecte beaucoup. Pour son talent, pour son calme. Parce que, soi-disant, il y avait une guéguerre entre DJ Arafat et Desbordeaux. Il se permet de partager une affiche du concert de Desbordeaux qui a été vilipendée sur les réseaux sociaux et qui fait suivre des paroles comme « Allons soutenir DJ Mix le 20 décembre au Palais de la Culture. Laissons les showcases. » D'abord, un, il injure l'artiste Desbordeaux une fois en traitant son concert de showcase et il participe au boycott du concert. Moi, je vois ça. Faut pas y être sorti pour lui dire la vérité. Je n'ai pas insulté sa mère, je n'ai pas insulté son père, je n'ai pas insulté sa famille. J'ai juste décrit haut et fort ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait a été très méchant. Je vais le répéter encore dans cette vidéo-là, si c'est ce qui vous fait mal. Il a été très mauvais. Parce qu'on peut attendre ça de tous les autres Chinois, si vous voulez, mais pas de Ivan Trésor. Parce que jamais c'est arrivé auparavant. On me dit qu'il a fait une erreur. Vous parlez d'une erreur, il assume, il est fier. Il fait peut-être partie des personnes qui prient pour qu'il y ait 5 personnes au palais de la culture ce 20 décembre-là. Mais malheureusement, Dieu n'exauce pas ces gens de prière-là. Il a été méchant, je lui ai dit. On me dit que j'insulte un truc, comment il s'appelle, Ivan Trésor. Ivan Trésor, c'est qui? C'est parce que vous ne savez pas respecter vos youtubeurs ou les personnes comme nous qui faisons des vidéos dans d'autres cieux. Vous nous dites bonjour, mais vous allez réfléchir par 4 fois. Généralement, en Afrique francophone, les gens sont trop méchants. Les gens ne savent pas encourager. Ils ne savent que critiquer, mais ils ne savent pas encourager. On me dit, Eric, toi, tu as tes qui pour critiquer. Mais je ne critique pas. Je dénonce des tares dans le showbiz ivoirien, précisément dans le coupé décalé. Je ne trie pas. Si c'est les fans de Beno qui se comportent mal, je leur dis les mêmes vérités. C'est fini. Si c'est les fans de Safari, je leur dis. Quand il faut encourager, j'encourage. Quand j'encourage, ça ne vous dérange pas. Là, je ne critique pas. Quand on fait un décryptage, qu'est-ce qu'on fait? On critique le morceau dans son fond. C'est pas de la critique aussi. Apprenez à réfléchir un peu. Grandissez. J'avais fait un moment où ces genres de vidéos aussi dures, là, je ne les faisais pas. Parce que je me disais que les mentalités avaient commencé à changer. Oh, je me trompais. Et comme vous n'aimez pas la douceur, on va se dire la vérité et avancer. Vos commentaires, sincèrement, me font rigoler. Ça ne me dit absolument rien. Plus vous commentez mes vidéos, plus j'ai de l'audience. C'est-à-dire que vous ne savez même pas comment les choses fonctionnent. Vous pensez que vous me nuisez ou bien vous me faites du mal, mais bien au contraire, vous me grandissez. Mes abonnés augmentent. Je cherche à faire 0 vues une fois sur une vidéo. Oh, c'est impossible. Parce que à part vous, vous ces radicaux de Chinois, ces faux Chinois là, il y a beaucoup de Chinois qui se donnent des retours. Beaucoup de Chinois. Quand il y a des dames, je ne sais pas si elles sont écervelées ou bien si elles ne réfléchissent pas beaucoup, ou bien elles ont perdu leur tête, elles sont frustrées, ou bien je ne sais pas, elles sont malheureuses dans leur foyer, elles vont appeler pour dire que c'est Desbordeaux qui a tué DJ Arafat. Desbordeaux, c'est un sorcier. Parce que soi-disant, elle est trop fan de DJ Arafat. C'est vous là. C'est à cause de vos ondes négatives là que DJ Arafat n'est plus parmi nous. Il va vous dire ça tous les jours. Moi, je fais la promotion de mon artiste. Si ça vous dérange, vous ne regardez pas. Mais si vous regardez, vous la fermez tout simplement. Et puis on avance. Mais n'emmerdez pas le monde. Parce que moi, j'emmerde personne. Parce que quand il s'agit de faire la promotion de certains artistes, vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes content. Mais quand vous déconnez et qu'on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Mais ah, ça va continuer à toujours vous faire mal. Hein, parce que je ne vais jamais me gêner. Parce que vous ne méritez même plus respect. C'est parce que mon éducation ne me permet pas d'être aussi grossier dans mes vidéos. Sinon, c'est pour vous insulter comme vous êtes, comme vous vous présentez. C'est comme ça qu'on va vous insulter. Pour que vous sachiez que autant vous êtes mal poli, on peut se permettre d'être mal poli envers vous aussi. Parce que vous ne comptez pas, vous n'êtes rien. Ce 20 décembre-là, il y aura des Chinois auprès de la culture. C'est ça qui est la vérité. En fait, c'est ça qui vous fait mal. Oh, c'est la vérité.
quand Ariel Chiné dit, ils vont bavarder, mais ils vont faire la queue, comme toujours, ça vous choque, ça vous fait mal. Mais il a dit la vérité. Ça veut dire que vous avez le monopole de frustrer les gens sur les réseaux sociaux, de leur dire ce que vous pensez, mais eux non. Ils doivent juste la fermer parce que les Chinois, ce sont les rois du showbiz. Ce sont les rois du coupé décalé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous savez pourquoi souvent, je ne me permets pas de mélanger tous les Chinois et les insulter? Parce qu'il y a des Chinois, dans les Chinois, j'ai des amis, j'ai des responsables, j'ai des personnes qui sont très intelligentes, des personnes qui sont très réfléchies dans ce groupe-là. Donc je précise que quand je suis en train de vous allumer comme je fais dans cette vidéo-là, ce n'est pas à tous ces Chinois-là que je m'adresse. Mais les radicaux qui n'ont rien compris du showbiz, qui n'ont rien compris des relations entre Debordo et Didier Arafat, ou bien entre Debordo et Ariel Chiné, ou bien qui n'ont rien compris de l'aspect du showbiz coupé décalé là, qui parlent au regard de ce qu'ils voient seulement là, c'est à eux que je m'adresse. C'est vous qui avez la manie d'accuser à tort ou à travers X de la mort de Didier Arafat. Mais vous, vous n'êtes pas responsable parce que vous vous dites fan de l'artiste. Mais quand on est fan de l'artiste, il y a bon fan et puis il y a faux fan. Et vous, vous faites partie des faux fans. Vous n'avez jamais été fan de Didier Arafat. On me dit que nous sommes faux, mais nous, au moins, on a soutenu l'artiste. Je suis désolé, mais ce n'est pas seulement les Chinois qui soutenaient Didier Arafat. Hein. C'était tout le monde. Ce que vous ne savez pas, ou vous passez pour les ridicules, c'est que quand on parle, quand vous parlez ou même quand vous commentez, on sent que vous ne réfléchissez pas beaucoup, en fait. Vous parlez parce que vous avez envie de vous défendre ou bien parce qu'on vous a choqué. D'un un concert, là, quand un artiste a un concert, là, écoutez-moi bien, il a ses fans qui vont se déplacer. Et puis ces fans là, ils ont des amis qu'ils invitent. Ils ne sont pas forcément fans de l'artiste, de leur ami. Vous comprenez un peu? Quand on dit Didier Arafat est nominé quelque part, c'est tout le monde qui vote. Moi, j'ai toujours voté pour Didier Arafat. Or, je suis fan de Wado Likoufa. Comme moi, plein d'autres fans, d'autres artistes le faisaient aussi. Donc ne vous accaparez pas le mérite de « c'est nous on a fait, c'est nous on a fait ». Vous avez participé comme beaucoup d'autres. Ne saoulez pas la toile. Voilà, parce que moi, vous allez toujours me trouver sur votre chemin pour vous recadrer. Il va m'arrêter là. Un vidéoman, ou bien un artiste, ou bien un soi-disant chinois, n'a qu'à faire des postes déplacés, et puis on n'a qu'à se taire. Je ne fais plus ça. D'après votre artiste, quand tu fais, il met pas. Voilà. On me dit, ne réponds pas à ces bassesses-là, mais souvent, il faut descendre dans la bouche hein, pour leur montrer que tu peux te saluer aussi. Voilà, c'est bien important de le signifier. Vous m'avez fait transpirer, mais ça en valait la peine. Que Dieu vous bénisse. Si tu es d'accord avec cette vidéo-là, tu sais où tu dois l'envoyer. Il faut envoyer ça dans les groupes-là. Voilà, ils vont écouter. Et puis, ils vont se calmer. Vous ne comptez pas, les gars. Vous ne comptez pas. Ne salissez pas le nom des autres Chinois, là. Les autres Chinois qui sont calmes dans les, dans les coins, qui pleurent toujours les artistes, là. Ne salissez pas les noms. Ne vous mélangez pas eux, parce que vous, vous êtes des faux Chinois. Et vous n'avez même pas des Chinois. Vous êtes des Shintok. Ciao, ciao les amis, que Dieu vous bénisse, on partage la vidéo.